Hola, bon dia. Som aquí amb Martín Odet, la poeta quebequesa d'aquí fa uns mesos. Vam publicar El meu cap és fort allà on l'altre dansa, el número 99 de la col·lecció Jardins de Samarcanda. I gràcies a la tecnologia és possible que puguem fer aquest diàleg i puguin també vostès conèixer-la en persona i conèixer també la seva poesia dita per ella mateixa. Martín Odet és una veu important, molt important, de la poesia i de la literatura del Quebec. Ella va néixer a Montreal i té publicat més d'una dotzena de llibres. Jo els tinc pràcticament tots i els últims llibres que va publicar són aquest, que és del 2016, el que nosaltres després hem traduït, i encara aquest any ha publicat aquest altre llibre nou. La Societat de Cendres, la Societat de Cendres. Després també acaba de publicar una plaquet que es diu Rêve, sur Rêve, que és una plaquet meravellosa amb uns poemes també que ens han fascinat. Bé, la poesia, molt breument, la poesia de Martín Odet és una poesia de ruptura, és una poesia que no és una poesia, diguéssim, que segueix una narració, que té un començament i un final, sinó que són uns poemes, en general, molt breus, desestructurats, diríem, amb una sintaxi molt, molt trencada. Ella exerceix voluntàriament un cert aire de violència sobre el llenguatge, violència que també està present en la seva literatura, en tant i en quant ja també surt, també fa relació a la violència sobre les dones. Ella és una lluitadora pel feminisme i segueix en aquest sentit tota la tradició que el que es diu la revolució tranquil·la dels anys 60 al Quebec, doncs ha anat creant noves generacions i ella representaria la penúltima generació de poetes que fan una ruptura amb tot el que és la poesia més burgesa, podríem dir. I ella fa uns desplaçaments tan sintàctics com de sentit el que és la poesia en si. Notaran tot de seguida, quan llegim la poesia, que en aquest llibre en concret apareix sempre una acció que és je peux, jo puc, que no és una expressió de poder, sinó és un signe de rebel·lió. Però de tot això ara en parlarem amb ella. Ara parlarem amb Martín Odet. Bonjour, Martín. Bonjour. Je vais poser des brèves questions sur votre poésie. Et d'abord, je vais vous demander pourquoi et depuis quand vous écrivez? Alors, j'ai commencé à écrire au début de la trentaine. En fait, mon premier recueil est paru en 1996 aux éditions du Norrois. J'avais 35 ans. Il y a deux moments qui m'ont amené à ce geste du poème, si je peux dire. D'abord à l'adolescence, quand une enseignante nous a lu des poèmes en classe, pour moi, ça a été un choc. Un langage était possible, un langage existait. Et très fébrilement, j'ai commencé à lire ce qui me tombait sous la main à la bibliothèque de l'école ou du quartier et à faire des imitations de poèmes, des poèmes rimés, sonores, bon, rien d'intéressant, mais je pense que ça assouplissait mon rapport à une certaine parole, un certain langage. Et puis, bon, sans expliquer, tout s'est fermé, assombri, et je me suis retrouvée au début de la trentaine, après avoir demandé de l'aide, un petit peu comme devant une impossibilité d'être, un mur. C'est comme si je savais mieux ce que j'étais pas, mais qu'est-ce que j'étais? Qu'est-ce que c'était ce monde autour de moi? Et le hasard, la grâce veut que je tombe sur une critique dans un journal où on parle d'un livre d'un poète québécois, François Charron, que j'estime beaucoup.
Et il y a des vers de cité dans l'article et ça me transperce le cœur, mais ça fait aussi remonter cette certitude que j'avais eue à l'adolescence. Et à partir de ça, j'ai recommencé à, pardon, à lire de la poésie, à en écrire. Et c'est comme si l'espèce de stupeur paralysante, de silence trop lourd pour moi, par le poème, pouvait se transformer en étonnement, en questionnement, en possible, en espace, des fois simplement pour respirer, mais aussi pour avoir des outils, peut-être pour éclairer ce mur-là, plutôt que de frapper le mur ou de m'y écraser. Brèvement, quels sont les référents poétiques que vous aimez le plus et qui vous ont influencé, surtout de votre poésie? Je suis assez intéressée à toutes sortes de types de poésie, mais nettement, j'ai l'impression que le travail très précis et formel de Nicole Brossard me nourrit beaucoup, que la voix plus longue de Denise Desautels également. Je peux penser à Pierre Neveu, je sais pas, à Paul-Marie Lapointe, que j'adore autant pour son travail formel que de sens. Et du côté européen, par exemple, j'aime, bon, comme tout, beaucoup, beaucoup, beaucoup Paul Celan, parce que c'est mystère sur mystère. Alors, et il y a c'est comme si ce travail tellement précis et tellement riche, tellement dense, me permettait d'oser toujours un petit peu plus. Il y a un ami qui m'a dit, après avoir lu ton livre, il a dit, écoute, j'aimerais bien lire beaucoup plus de livres de Martine. Alors, je lui ai laissé toute ma bibliothèque. Et il c'est justement que ça qu'il a dit, écoute, je pense que Martine doit être une lectrice de Paul Celan, non? C'est vrai? Oui. Bon, je pense que oui. Bon, une fois, j'ai lu dans une entrevue que vous avez fait, je m'en rappelle qui était, mais que vous disiez que vous venez de l'espace du silence. Vous avez commencé, disons, l'exploration. Si on peut dire comme ça, l'exploration du silence. Et après, cette poésie que vous avez pratiquée depuis ce moment, depuis le moment où vous avez commencé à écrire et à publier, donc ça a évolué vers une poésie de cette rupture syntaxique, ce déplacement du sang. Et de la syntaxe. Et je pense qu'à ce moment, vous avez un langage particulier, c'est-à-dire que un poème qu'on peut trouver sur la route, dans un papier, ça pourrait être, on pouvait les lire et dire, ah, c'est un poème de Martine Audet. Je pense que vous avez arrivé, disons, à créer un langage poétique personnel, absolument personnel et reconnaissable par lui-même. Vous êtes d'accord avec ça, peut-être? Mais ça me touche. Je pense qu'on est, c'est tous de décrire avec ce qu'on est, avec ce qu'on n'est pas, avec ce qui nous échappe, nos manques, mais toujours en restant au plus près de sa propre voix. Peut-être que même écrire de la poésie, il y a quelque chose d'apprendre à parler avec sa voix. Donc, si à force de travailler à partir de ce peu, ce silence que j'essaie de percer chaque fois, tout en étant, c'est particulier le rapport au silence parce que
c'est à la fois ce qu'il faut soulever, ce qu'il faut heurter, ce qui, en tout cas pour moi, il faut soulever. Mais en même temps, c'est un espace vivant dans lequel on écrit. On ne peut pas écrire hors de ça. Je suis en train de me perdre. mais je crois que j'essaie de faire avec ce que je suis. C'est ça, tout simplement. C'est ça que j'ai à faire. Je n'ai pas à essayer de plaire ou de correspondre. Il y a des choses qui me plaisent énormément en poésie, mais je ne peux pas écrire comme ça, même si j'aimerais. pour moi, c'est ça. C'est faire confiance au poème, comme on fait avec cet abandon à soi-même, laisser venir à soi, cette attention aussi très, très précise. Qui nous permet couche par couche d'aller plus loin. Puis dans ce dernier recueil, je pense que une des choses particulières, c'est pour moi en tout cas, c'est d'être arrivé à ouvrir la langue dans ses paradoxes, à aller en dessous et au-dessus en même temps sur les mêmes lignes avec ce je peux dont vous parliez un peu. Je ne sais pas si ça répond à. Alors, je crois que nous pouvons lire quelques poèmes de ce livre tiré de « Al meu cap és fort tallant l'altra dansa ». D'abord, vous avez choisi six poèmes. Je vais lire d'abord en catalan, puis vous lirez en français. Petit banc de fusta vermella, busques. Bobines del vent, i així per escalar, per continuar com un destí, com l'ull que es desclau sobre un gran nombre. No crec en els manlleus del cel, però jo puc engranatges de somnis, fulles d'or cobrint les inscripcions. Jo puc. L'altre és una constel·lació, una avançada de les pluges, la junció dels camins. Petit banc de bois rouge, aiguille, bobine du vent, et ainsi à gravir, à poursuivre comme un destin, comme l'œil qui s'ouvre sur un grand nombre. Je ne crois pas aux empreintes du ciel, mais je peux, rouage des songes, feuille d'or couvrant les inscriptions. Je peux, l'autre est une constellation, une avancée des pluies, la somme des chemins. On la distància que separa és un silenci que vetlla, jo puc la meva porció de mare, de pare, quilòmetres de cims argentats. Jo puc l'extensió del gran joc, estimar-lo i sofrir-lo, apenas massa infantesa. Els primers dols són pedres que esclaten entre les dents. El buit a l'entorn és una mirada. Où l'écart est un silence qui veille, je peux ma part de mère, de père, des kilomètres de cimes argentées. Je peux l'extension du grand jeu, l'aimer et le souffrir, à peine trop d'enfance. Les premiers deuils sont des pierres qui éclatent entre les dents. Le vide autour est un regard. Alguns carretons d'estels pel corredor de les noies. Jo puc l'ull en cercles de vidre, un estendard i els seus misteris. Jo puc ser, però no por. Cor? No ho aconseguiré mai. Arquejo el cel i les seves arrels. Em basta per als meus propis records les meves llargues faccions pàl·lides i terribles. Quelques chariots d'étoiles dans l'allée des jeunes filles. Je peux l'œil en cercle de verre, un étendard et ses mystères. Je peux être, mais pas assez. Cœur, je n'y arriverai pas. J'arque le ciel et ses racines. Cela suffit pour mes propres souvenirs.
mes longues figures, pâles et terribles. Jo puc no veure res del nom, no dir res de les bondats que ocupen la cambra. Em poso al dia com si fos un vestit. Passo la llengua damunt d'un poema. Jo puc, la teva veu, perdre-la de seguida, besar el flanc, com si fos guix. Tots els vivents són de la meva mida, els vivents amb forats. En quin moment obrir les pluges? Je peux ne rien voir du nom, ne rien dire des bontés qui occupent la chambre. J'enfile le jour tel un vêtement, je passe ma langue sur un poème, je peux ta voix, bientôt sa perte, baiser au flanc comme à la craie. Tous les vivants sont à ma taille, les vivants avec des trous. À quel moment ouvrir les pluies? No val la pena. No és allò que s'eclipsa o torna a la càrrega. I tanmateix puc. Tu què em faràs? Uns núvols clavats vés a saber on, les cambres que empenyen el vell arbre. L'absència té cura de les llums. El meu cap és fort allà on l'altre dansa. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas ce qui s'éclipse ou revient à la charge. Et pourtant, je peux. Qu'en feras-tu? Des nuages accrochés, on ne sait à quoi. Les chambres qui poussent dans le vieil arbre. L'absence s'occupe des lumières. Ma tête est forte de celle qui danse. Oui, pour en finir. Mons espars. És clar que sí, ossos de marbre i la pell del temps. Jo puc, torsió per aparença, una lluïssor breu i el seu desastre. Jo puc, encara tempesta, encara naufragi, amb l'esquena contra la paret amb uns frescos, veus que deposen sobre un silenci. El cor és un entrenament. És allò que batega en el sol de les llàgrimes, allò que mor quand res ja no trem. Des mondes épars, bien sûr. Des os de marbre et la fourrure du temps. Je peux torsion pour apparence, une lueur brève et son désastre. Je peux, encore tempête, encore naufrage, le dos mûr en quelques fresques. Des voix qui posent sur un silence. Le cœur est une mise en forme. Il est ce qui bat dans le soleil des larmes, ce qui meurt quand plus rien ne tremble. Donc, merci, merci Martine pour ces lancements qu'on fait. Merci Anthony pour toute la générosité de cette traduction et de cet accompagnement. J'aurais bien aimé vous faire la bise ou vous serrer la main, au moins. Mais bon, peut-être, si nous arrivons à la normalité, peut-être on pourrait répéter soit à Barcelone, soit à Montréal. Oui, il y aura sûrement d'autres choses qui se passeront, certainement. Je l'espère aussi. Alors, bonne journée et merci. Grand merci. Ben, merci beaucoup à vous.